Bonjour, je suis Monsieur Memougam Espoir, professeur de mathématiques au lycée. Le cours que nous allons aborder va porter sur les équations différentielles en terminale C et D. Pour commencer, nous allons aborder premièrement les généralités des équations différentielles. Donc, au grand 1, on va prendre les généralités. Dans les généralités, nous allons commencer par une activité. Activité, soit f, une fonction 2 fois dérivable sur r, définie par f de x égale à moins exponentielle de 2x. 1. Déterminer f' de x et f second de x. 2. Trouver une relation entre petit a, f' de x et f de x. Petit b, f second de x, f' de x et f de x. Dans la suite, nous allons faire la solution de cette activité. Donc, pour cela, solution. Dans l'activité, on nous définit la fonction f par f de x égale moins exponentielle de 2x. Première question, déterminant. Déterminant, f prime de x et f second de x. Le f prime de x et le f second de x est déterminé à partir de f de x. Or, f de x est égal à moins expo de 2x. Ici, c'est cette expression qu'on va dériver. Lorsqu'on dérive 2x, la dérivée nous donne 2. Donc, la dérivée de f de x devient donc moins 2 exponentielle de 2x. On veut trouver la dérivée seconde, f seconde de x. On va partir de f prime de x, qui est égal à moins 2 exponentielle de 2x. On va appliquer la même technique. Lorsqu'on dérive 2x, on trouve 2. Le 2 vient multiplier le coefficient qui est là, ce qui nous donne f second de x égale à moins 4 exponentielle de 2x. On a fini avec la première question. Dans la deuxième question, on nous demande ici de trouver une relation entre d'abord le petit a. On va trouver une relation. Donc, trouvons une relation entre le a f prime de x et f de x. Or, pour répondre à cette question, on va considérer le travail qu'on a fait avant. Ici, à ce niveau, on a f de x qui est égal à moins exponentielle de 2x. Et on a f prime de x qui est égal à moins 2 exponentielle de 2x. Dans cette expression de f de x, f prime de x, on peut écrire f prime de x égale à moins, non, à 2 facteur de moins exponentielle de 2x. Or, moins exponentielle de 2x, c'est ça le f de x. Donc, dans cette relation, on peut remplacer moins exponentielle de 2x par f de x. Donc, ici, on peut donc écrire f prime de x est égal à 2 f de x. Si on peut ramener ça au premier membre, on trouve donc la relation f prime de x moins 2 f de x égale à 0. Voilà la relation entre f prime de x et f de x. Petit b, on va trouver une relation entre f second de x, f prime de x et f de x. Pour définir cette relation, on considère le f second de x. On sait que on a
f second de x égale à moins 4 exponentielle de 2x. Ici, au regard de f de x et f' de x, ici, je peux décomposer cette expression-là. Je peux écrire moins 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de 2x. Nous savons que moins 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de 2x va nous ramener à moins 4 exponentielle de 2x. Or, moins 2 exponentielle de 2x, c'est ça le f' de x. Donc déjà, pour cette première expression, on peut remplacer par f' de x. Or, aussi nous savons que à partir d'ici, on a 2 moins exponentielle de 2x. Or, moins exponentielle de 2x représente le f de x. Donc ici, on sait que le moins, on peut transformer cette relation, on aura plus 2 facteur de moins exponentielle de 2x. Et ça représente le f de x. On peut donc écrire f' de x plus 2f de x. Donc, à ce niveau, nous avons donc f second de x qui est égal à f' de x plus 2f de x. Lorsqu'on ramène cette somme au premier membre, on aura f second de x moins f' de x moins 2f de x égale à 0. Voilà la relation entre ces différentes fonctions. Donc, au niveau du petit a, ici on a défini une relation entre f' et f de x. Au niveau du petit b, on a défini une relation entre f second, f' et f. Ces deux relations, c'est ce qu'on appelle équation différentielle. Donc nous pouvons dire que une équation différentielle, c'est une relation de cette forme-là qui lie une fonction et ses différentes dérivées successives. Et lorsqu'on parle de dérivées successives, on peut aller jusqu'à n'importe quel ordre. Mais à notre niveau, nous allons prendre les premiers ordres et second ordre. Donc, dans le 1, grand 1, nous allons définir ce que c'est qu'une équation différentielle. On va prendre la définition d'une équation différentielle. Dans la définition d'une équation différentielle, on peut dire que on appelle équation différentielle une relation qui lie une fonction et ses différentes dérivées successives. Donc, on peut retenir que une équation différentielle, c'est une relation entre une fonction et ses différentes dérivées successives. Donc, vous prenez note rapidement. Ici, on a grand 1, nous allons définir une équation différentielle. Dans la définition, on appelle équation différentielle toute équation ayant pour inconnue une fonction dans laquelle figure au moins une des dérivées successives de la fonction inconnue. Exemple. De f second de x plus f' de x moins f de x égale à 0. Y second moins 2y' plus 4y égale à 0. Donc, on va considérer ces deux exemples comme exemples d'équations différentielles. Après la définition d'une équation différentielle, on va prendre l'ordre d'une équation différentielle. Donc, on va prendre le grand 1, 2, ordre d'une équation différentielle. L'ordre d'une équation différentielle est le plus grand ordre de dérivation de la fonction inconnue ayant un coefficient non nul dans cette équation différentielle. Donc ici, on a de telles relations, telles qu'ici, on a une relation d'ordre 2, parce que l'ordre de dérivation ici, c'est le second
Donc, la dérivée seconde. Ici, l'ordre de dérivation, c'est 2, parce que ici on a dérivé la fonction deux fois pour arriver à la dérivée seconde. Donc, ici, on peut noter comme exemple. On prend l'exemple de y seconde plus 4, y prime moins y égale à 0 est une équation différentielle. Est une équation différentielle d'ordre 2. Tout simplement parce que ici, l'ordre de dérivation, c'est 2. Après l'ordre de dérivation d'une équation différentielle, nous avons une remarque. Au niveau de la remarque, elle porte sur la forme d'une équation différentielle. Il y a des équations différentielles que vous allez remarquer où le second membre est égal à 0 et il y a des équations différentielles où le second membre est une autre fonction. Et en ce moment, on parlera des équations différentielles homogènes et des équations différentielles avec second membre. Donc ici, on va prendre la remarque. Une équation différentielle. Une équation différentielle est dite homogène où son second membre lorsque le second membre de cette équation est nul. Lorsque le second membre de cette équation différentielle est nul. Donc, ici, on peut prendre le cas de cette équation qui est là. 2. Donc, on peut prendre un exemple. 2 f prime de x plus f de x égale à 0. Ça, c'est une équation différentielle sans second membre. Le second membre, c'est ça. Ici, c'est 0. Donc, c'est une équation différentielle sans second membre. Et lorsque vous aurez une équation différentielle où le second membre ici ne sera pas 0, il y aura une expression. En ce moment, on parlera d'une équation différentielle avec un second membre. Nous allons aborder la résolution d'une équation différentielle. Donc, ce qu'on peut retenir au niveau des généralités d'une équation différentielle, c'est que d'abord, une équation différentielle, c'est une relation entre une fonction et ses dérivées successives. Deuxièmement, on a défini l'ordre d'une équation différentielle. Au niveau de l'ordre d'une équation différentielle, on a dit, on va regarder l'ordre de dérivation. Si dans la relation, il y a la dérivée seconde, en ce moment, on parlera d'une équation différentielle d'ordre 2. Si dans la relation d'une équation différentielle, ça s'arrête à la première dérivée, en ce moment, on parlera d'une équation différentielle d'ordre 1. Donc, ici, on prend le grand 2, grand 1, 3, résolution d'une équation différentielle. Résolution d'une équation différentielle. Au niveau de la résolution d'une équation différentielle, on va d'abord définir c'est quoi résoudre une équation différentielle. Solution générale. Une solution de l'équation différentielle
est dite générale si elle dépend d'au moins d'une constante. Si elle dépend d'au moins d'une constante. Donc ici, au niveau de la solution d'une équation différentielle, nous avons dit on a la solution particulière et la solution générale. Donc au niveau de la solution générale, nous devons retenir que la solution générale d'une équation différentielle dépend au moins d'une constante. Et là, ça dépend du degré. Et au niveau de la solution particulière, solution particulière, nous pouvons dire que une solution de l'équation différentielle une solution de l'équation différentielle équation différentielle est dite particulière lorsqu'elle vérifie lorsqu'elle est une fonction qui vérifie lorsqu'elle est une fonction qui vérifie lorsqu'elle est une fonction qui vérifie directement l'équation différentielle. Donc, ici, nous pouvons dire que la solution de l'équation différentielle est dite particulière lorsqu'elle est une fonction qui vérifie directement l'équation différentielle. Et on sait qu'au niveau de la vérification dont on parle, elle est indépendante des constantes. Parce qu'on sait qu'au niveau de la solution générale ici, on a parlé des constantes. Mais au niveau de la solution particulière, cette vérification dont on parle d'une fonction qui existe, c'est le cas, par exemple, de ce que je vous ai pris entre f et y. On a considéré une équation de la forme y' plus 2, y égale à 0. Et on a dit, si la fonction f s'écrit sous la même forme, en ce moment, la fonction f est solution. Et ça, c'est indépendamment des constantes de la solution générale de l'équation différentielle. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir sur les généralités d'une équation différentielle. Nous avons abordé d'abord, la définition d'une équation différentielle à partir d'une relation entre une fonction et ses dérivées successives. Après, nous avons abordé l'ordre d'une équation différentielle et nous avons dit l'ordre d'une équation différentielle dépend de son plus grand ordre de dérivation. Et à cela, on ajoute la résolution d'une équation différentielle. Au niveau de la résolution d'une équation différentielle, nous avons dit résoudre une équation différentielle, c'est la même chose que intégrer une équation différentielle. Et il s'agit donc de déterminer la solution de cette équation différentielle sur un intervalle ouvert. Et cette solution de l'équation différentielle, ici, on distingue deux solutions. On a la solution générale d'une équation différentielle qui dépend d'au moins d'une constante. Et on a la solution particulière qui est une fonction qui vérifie directement l'équation différentielle.
Prochainement, nous allons aborder le grand 2 avec l'équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Je vous remercie.